café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a les verres à porter l'écriture. On s'est pointé à 20 en habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché sous un verre de liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en prose, que c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend déjà l'air d'être au Petit Larousse. On pose en attendant le jour où nos 20 ans seront cotés en bourse. On porte des écharpes, on écrit sur les nappes, on pose des pianos. On crie le bar à boire, on payera plus tard en coupure de journaux. Au café littéraire, bien qu'air que l'atelière qu'aime pas la lecture. Mais les lignes des paumes, elle tend lire et 20 tomes au travers des ratures. Quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe. Comme on paye cul sec, on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à voile. Le vent vient allumer le bout d'un cache-nez au briquet des étoiles. Au matin pêle-mêle froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nappes en crépon. Au café littéraire, suivi l'itinéraire, c'est sous le dernier porche. Juste avant la virgule, ce troquet qui recule aux mesures qu'on s'approche. Et sous l'arbre, le seuil sème comme un recueil ses feuilles de brouillon. Et où ses branches peignent en ombre sur l'enseigne le chapeau de Villon.